Là-haut sur la montagne, il était un vieux chalet. Mur blanc, toit de bateau, devant la porte, un vieux boulot. Là-haut sur la montagne, coula le vieux chalet. La neige et les rochers s'étaient unis pour l'arracher. Là-haut sur la montagne, quand Jean vint au chalet, pleura de tout son cœur sur les débris de son honneur. Là-haut sur la montagne, l'était un nouveau chalet, car Jean, de tout son cœur, l'a reconstruit plus beau qu'avant. Monsieur le Président, je vous salue très bien. Et je tiens à saluer mon ami Nyasegbe Toyi, qui est le frère cadet de Fort Nyasegbe, qui est au Togo. Monsieur le Président de la République, il faut que je vous dise, il faut qu'on se parle, parce que moi j'aime souvent quand on se parle comme ça, et c'est vrai. Cette année, si on ne fait pas attention, Monsieur le Président, l'huile va devenir encore très chère sur le marché. Le prix de l'huile va augmenter sur le marché parce que, tout simplement parce que il n'y a pas de voie pour faire venir, pour sortir la graine des plantations, mais l'huile de première catégorie, donc les premières huiles pour les faire sortir des usines qui sont à l'intérieur du pays, dans les plantations, les envoyer sur le goudron pour les transporter à Abidjan, il n'y en a pas. Donc, par manque d'infrastructures routières dans ces zones-là, eh bien, Monsieur le Président, je vous dis que bientôt, l'huile, le prix de l'huile va augmenter sur le marché. Voilà, ça, il faut que j'attire votre attention pour que les gens comprennent. C'est vrai que souvent, il y avait des gens qui pensent d'une manière pour dire que oui, ce n'est pas les routes qu'on mange. Si, c'est les routes qu'on mange, parce qu'aujourd'hui, voyez-vous, il n'y a pas de route pour faire sortir les graines, pour faire sortir de l'huile dans les plantations, pour envoyer sur le goudron. Aujourd'hui, l'huile va augmenter. Donc, Monsieur le Président, il y a un problème d'infrastructure au niveau des plantations sur le goudron. Et puis, Monsieur le Président, il faut que je vous dise, après le bac, ils ont affecté des enfants à l'école de la CIE qui se trouve à Benjerville. L'école l'électricité qui se trouve à Benjerville. Mais ces enfants qui ont eu le bac là, mais l'école n'est pas du tout au courant. Quand les parents vont avec les enfants dans l'établissement, les gars disent non, ici c'est une école privée, l'État n'a pas affecté quelqu'un ici. Mais ils sont étonnés. Quand ils partent à la déco leur dit allez là-bas, on a tout réglé. Quand ils voient encore, on dit n'entre plus ici, on n'est pas au courant. Mais comment un État, un ministère, un département sérieux peut affecter des enfants qui ont eu le bac dans un établissement privé qui n'est même pas au courant, ni rien, et les parents font des va-et-vient. Monsieur le Président, demandez à Lee Ramata, demandez à Kanda Kamara, vous avez affecté les enfants au centre de formation d'électricité à Benjerville, ils vont te dire oui. Ils vont demander, est-ce que le centre est au courant? Si le centre est au courant, amenez, allez inscrire les enfants là-bas, on va voir s'ils vont accepter. Et demandez au directeur de ce centre-là, pourquoi il refoule lorsque les enfants qui l'étaient affectés là-bas, pourquoi on les refoule? Demandez ça, Monsieur le Président, pour que vous allez comprendre. J'ai vu dans les journaux, la SODECI a eu un grand prix, un premier prix d'excellence et de qualité. C'est bien, c'est beau. Je ne sais pas si c'est pour la qualité future ou bien pour la qualité passée. Parce que si c'est pour la qualité présente et la qualité passée, je ne crois pas. Maintenant, si c'est pour la qualité future, Dieu est grand. Dieu est grand. Parce que quand tu vas à Yopougon, tu vas à Angré, tu vas, mais quand tu vas... Mais dès que vous Benjerville, regardez l'eau qui sort des tuyaux, mais ce n'est pas vrai. C'est du n'importe quoi. Et parfois, des gens sont obligés d'acheter des produits pour mettre dans cette eau-là pour avoir consommation. Ce n'est pas bien. Et puis, lorsque la SODECI coupe l'eau, d'abord, la SODECI ne prend pas la peine d'informer les usagers, mais lorsqu'ils coupent l'eau, moi, je pense que pendant 3 jours, 4 jours, une semaine, des coins n'ont pas d'eau, c'est pas bien. Allez à Yopougon, vers le Toit Rouge, vers le sapeur-pompier, il y a tout un quartier qui n'y a pas d'eau. Va en gré, même chose comme ça. Mais quand vous devez couper l'eau, pendant 3-4 jours, informer l'ONAD. L'ONAD peut se déplacer avec des camions citernes, aller approvisionner ces zones-là en eau. Ça se faisait autant de feux bagnés. Donc pour le faire, ça on n'a pas besoin de dire ça à un chef d'État, c'est l'eau de la SODECI et c'est l'ONAD qui doit régler cela. Et ne pas couper l'eau pendant une semaine sans qu'il n'y ait pas de réaction. Ça, c'est des comportements que je n'admets pas. Est-ce que c'est compris? Ok. À la prochaine.
d'ailleurs, émergence, d'ailleurs, émergence, d'ailleurs.